Wesh l'équipe, c'est Sergi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure. Carrière joueur sur Football Life. Aujourd'hui, gros match face au Sporting CP. Sporting Portugal, équipe du Portugal. Huitième de finale, Champions League. Voilà. Donc, je vais cliquer sur coup d'envoi. C'est parti. Huitième de finale. Allez, c'est parti cette fois-ci, cette saison. On doit avoir la Champions League. Donc, si on l'a pas, franchement, je quitte l'équipe. Je pense aller à Barça, au Real. Peut-être en Angleterre. Hein. Ouais, pourquoi pas aller en Angleterre? Je sais pas dans quel club j'irai en Angleterre en tout cas. Ou bien peut-être je retourne au Bayern, mais non, j'ai envie d'aller en Angleterre ou bien au Barça ou bien au Real. Alors c'est parti, je sais pas si je dois laisser la cinématique, mais je vais laisser la cinématique pour que vous voyez. Alors, je voudrais commencer une carrière d'équipe pour de manager, donc. J'ai voulu commencer sur Football Life, mais j'ai dit non. Vu que FIFA 24, EA Sport 24 va sortir bientôt, je crois que je vais l'acheter et je crois que je vais faire des vidéos dessus, carrière joueur et carrière manager. Et merci en tout cas, je suis à 900 abonnés, franchement c'est incroyable. Merci de vous abonner encore plus. Je vois que vous oubliez jamais quand je vous dis de vous abonner, de liker. En tout cas, je remercie tous mes abonnés. Il ne reste plus que 100 abonnés, on sera à 1000 abonnés. Et peut-être pourquoi pas monétiser la chaîne et je commencerai à gagner des revenus. Ceci pourra m'aider à pouvoir acheter des nouveaux jeux et tout ça. Donc c'est bien en tout cas. La communauté augmente et voilà. Pour l'instant, j'ai pas vraiment le temps de faire. Mais franchement, je vous dis, si la chaîne, elle monte. Franchement, je pourrais faire ça à temps plein. Mais ça c'est une autre histoire. Ça prend beaucoup de temps. Je sais que les youtubeurs, ça leur prend. Ça peut leur prendre des années pour que ça soit vraiment rentable. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Pour moi, ça peut tout le temps monter. Alors, on arrête de parler et on se concentre. Sur le match. Alors les gars, on est en train de galérer. Voilà. Et on prend un but. Je le savais. C'est pour ça que j'ai voulu parler à partir d'ici. Et oui, on galère franchement. Le FC, le FC Sporting Portugal. Ils sont en train de dominer. Je suis marqué dès le début du match et ils m'ont pas laissé un espace. Franchement, c'est si on terme, si on continue comme ça, on risque d'être éliminé dès les huitièmes de finale. Alors, on est à domicile, donc on perd. On perd le match, donc on entre. Ouh, vous avez vu ça? Là, on est en train de rater. Ils sont tous derrière, comme vous avez regardé, la défense. Ils ont marqué juste un but et voilà, c'était ça leur stratégie. Nous casser le jeu et avec une stratégie, en tout cas, ils ont bien joué. On n'a pas eu vraiment d'occasion, on n'a pas vraiment frappé au bois. Allez, c'est parti. On va voir si on peut avoir. Ah là là, c'est juste impossible. Bon, si on ne peut pas comprendre. Un autre but, ça serait la catastrophe. Et le match est terminé, franchement. Alors là, c'est fini. On perd le match face à. Sporting Portugal, les gars, si on est éliminé dès les huitièmes de finale, franchement, le mercato prochain, je pars.
parce qu'on sent que Paris, ça commence à baisser. Ce n'est plus ce que c'était. Donc, on va jouer notre match contre Girondins de Bordeaux. Stade magnifique, plein comme un œuf, Alors, j'aurais dû me reposer sur ce match, je suis désolé. et Parce que l'attaque voilà, lancée. y a des matchs très importants. Oh là là! Pour le Paris Saint-Germain. Oh, attention, la passe est précise. Il prend sa Et chance. franchement, le premier but. Il se savait attendu. Voilà, on a super bien joué Dès là. les premières minutes. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. Ça faisait longtemps que Neymar n'avait pas marqué. Regardez, une passe ici. Là, j'ai donné une passe et franchement, là, ils ont très très bien joué entre Neymar et Mbappé. Et quel but! Franchement, première intention, c'est la première fois que je marque un but sur première intention. On va revoir ça. La petite danse. Regardez, c'est juste incroyable là. C'était, il l'a mis au bon endroit et là, je pouvais qu'enrouler. Voilà, ça fait 2-0. En tout cas, j'ai marqué beaucoup de buts cette saison à Paris. Je sais pas combien. Mais je crois que c'est mon record. En tout cas, en tant que joueur, je crois que c'est aux alentours de 18. Pour un milieu offensif, c'est beaucoup. Quel but! En tout cas, j'espère que je vais montrer. La première passe que je donnais, c'était une passe lobée à Neymar. Et le trio marque, but de Neymar, Mbappé et moi aussi. Franchement, c'était une très jolie passe aussi de ma part là. Et il a bien centré. Mbappé, il était complètement seul là. Il ne pouvait que la mettre. Écoutez les chants des supporters. Et le but, ça fait 4-0. Ça fait 4-0, les gars, regardez. Doublé de Kylian Mbappé. En tout cas, on est bien pour le moment. 4-0 face à Bordeaux. C'est un très bon résultat. Et le match est terminé. 4-0. Voilà. C'est franchement, c'est bien joué là. On va passer à l'autre match. Ça sera face à Marseille. Allez, c'est face à Montpellier. C'était pas Marseille. Allez, bon, voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé de changer la coiffe de mes cheveux. Mais c'était aussi quelqu'un, un abonné que je voulais faire plaisir qui m'avait demandé. Il demandait de changer mes cheveux en rouge. Et le but de Ekitike. Ouais, j'ai tiré en premier, j'ai demandé la balle ici. Mais j'avais oublié que j'étais pas gaucher. Allez, tu tiquais peut-être doublé et doublé de Ekitike.
Alors aujourd'hui, il est en forme. Voilà, ça fait 2-0. C'était un match facile en tout cas. Mais j'espère que face au Sporting Portugal, on va ressortir le même schéma. Et le but! Et voilà, c'est un super but. On va le revoir. Alors, je crois que ça allait aller en haut, mais non. Regardez, on a super bien joué. Là, regardez la passe ici. Et là, j'ai redemandé le ballon ici. Et là, j'étais complètement seul. Je voulais enrouler, mais non, je me suis dit là. Juste que j'envoie un boulet de canon. Et là, il pouvait rien faire. C'était, il y avait beaucoup de puissance. Allez, c'est parti. Match face à Marseille. Alors, je joue encore avant-centre. Allez, c'était un gros, gros match. Gros derby. Face aux Marseillais. Alors, voilà, nous commençons le match. Je suis désolé, j'ai pas parlé au début du match. Je sais pas quoi je pensais. Mais voilà, nous avons un nouveau joueur qui s'appelle Didavi. Je sais même pas qui c'est. On regarde la compo. Voilà. On dirait que nous avons acheté un milieu offensif. Notre joueur milieu offensif. Et cela me permettra aussi de jouer souvent devant. Parce que je peux être aussi attaquant. Et le but! Après avoir tiré le poteau. Heureusement que Mbappé était présent. Voilà, ça. Voilà, c'était chaud, franchement. J'ai dû reculer au milieu offensif parce que, franchement, le DVD là qu'on a mis, il fait du n'importe quoi. Alors, j'ai dû l'épauler un peu derrière. Là, j'ai demandé en fait. Passe à Saka parce que je sentais qu'il y avait beaucoup d'espace et là je pouvais la placer. Voilà, ça fait 1-0 les gars. On bat Marseille. Allez, ça c'est un très bon point. Faut qu'on aille avec la motivation à fond pour que on joue très bien face au Sporting Portugal. Et le but! Je ne sais pas qui a marqué. Alors, ça, ce sont des nouveaux joueurs. Zavaleza. Zavaleza. Giorgio Zavelas. Voilà, franchement, ce sont des jeunes, je crois, qui viennent de l'académie, si je ne me trompe pas. Franchement, là, c'est très bien. Là, bien. Entrer et il venait juste d'entrer. Alors c'est très bon match. Après j'espère que pour et le but, franchement fallait que je marque un but aussi. Ça fait 3-0. En tout cas, on est en train de marquer que des buts au-dessus de 4-3. Il a fallu que je dise que je vais quitter Paris pour que l'équipe commence à bien jouer. Allez, on va revoir. On va revoir ce but.
Là, il fallait juste que je touche un tout petit peu. Et ça a marché. Allez, c'est parti. En tout cas, je suis content. Je crois que je suis en évolution. Je vais voir. Je vais voir ma note. Il faut franchement que j'évolue. Il faut que j'arrive au moins à 99. Plus rapidement possible. Si c'est pas 99, au moins 95. Faut que je sois parmi les meilleurs joueurs. J'ai encore 23 ans et j'ai encore le temps d'avoir le ballon d'or. Les Messi. Les Messi ils avaient déjà claqué environ 3 ballons d'or à cette période. Allez, c'est parti. Ça fait 3-0, on gagne le match. Franchement, j'ai une super note. Voilà, l'homme du match encore une fois. Je n'ai que des 7 depuis. On est toujours premier du championnat. Évaluation moyenne 6. Hein? Allez. Gros match. Gros match face à. Voilà, vous connaissez Sporting du Portugal. Allez, je suis milieu offensif cette fois-ci. Alors, je vais m'amuser franchement bien. En tant que. Allez, c'est parti. Match retour face au Sporting de Portugal. Allez, cette fois-ci, on est à l'extérieur. Et. Voilà. On va tout donner. Allez, la jolie passe avec Ekitike. Ah, je sais qu'il peut l'avoir. Et oui! Voilà, on égalise. Fallait que je la donne. Attends, c'est une très belle récupération, je crois, de Fabian Ruiz qui m'a donné. Et là, je ne pouvais que l'obéir parce que quand Ekitike part comme ça, il est parti en fait. Il sait faire des appels. Ce que j'ai remarqué, qu'il a. C'est ce qu'il a de plus que les autres attaquants que j'ai joué avec. Un coup de tête là-bas, j'ai failli marquer. Passe là, attention, là c'est le but. Ouh, mais comment j'ai pas pu marquer ce but? Ah. Alors, c'est vraiment le match est vraiment dur pour le moment. On a des occasions, mais on n'arrive pas à les mettre. Mais Sporting Portugal a récupéré un peu la possession. Il va peut-être marquer un triplé, non doublé, je veux dire incroyable. Alors là, on est qualifié pour les quarts de finale, les gars. Heureusement, parce que je sentais que le Sporting Portugal revenait. Franchement, là, c'est super bien joué. La passe de Mbappé, ah, là, j'ai eu l'impression qu'il était hors jeu, mais en tout cas, Ekitike fait très bon le numéro 9, c'est très bon. Alors c'est parti, la chevauchée. Ouh, il n'y avait personne, en tout cas il n'y avait personne pour. C'était une chevauchée les gars, c'était une chevauchée en tout cas. Je vais la laisser au montage pour vous montrer que parfois je peux avoir des réveils. Et le match est terminé les gars, 2-0. Et le match est terminé. On est qualifié pour les quarts de finale. Ensuite, il y aura des matchs qualification. Oh, on va rencontrer Juventus.
rencontrer Juventus en quart de finale, match aller. Ah là, ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud. Allez, on arrive vers la fin de la saison. En tout cas, on va se retrouver face au Nigeria. Ensuite, on pourra enchaîner Juventus. Je ferai une longue vidéo après jusqu'à Lyon. Non? Ou bien, on va voir, on va voir. Merci, n'oubliez pas de liker et à bientôt, les guys. Peace.